Au programme du Festival de Cannes 2024 ce mardi, la montée des marches pour Marcello Mio, ainsi que la présentation, dans la sélection séance spéciale, de Le Fil. Sur le tapis rouge, des apparitions remarquées, comme celle de Charlotte Casiraghi. Une nouvelle semaine a démarré au Festival de Cannes 2024. Et ce mardi, CIST Marcello Mio de Christophe Honoré qui était mis à l'honneur, film en compétition pour la Palme d'Or. Avant que l'équipe du film, Catherine Deneuve, Melville Poupeau, Benjamin Biolay, Nicole Garcia et Fabrice Lucchini, ne montent les marches, CIST la flamme olympique qui a grimpé en haut du palais des festivals. Mais aussi en séance spéciale, les membres du film Le Fil, réalisé par Daniel Auteuil et produit par sa fille Nelly, dont la mère est Emmanuelle Béard. Ils étaient là tous les trois, sans oublier Aurore, née de la romance de l'acteur avec Anne Jousset, et qui pour rappel joue dans son film. Ce que l'on remarque aussi, si est-il arrivé sur le tapis de Charlotte Casiraghi, quelques jours seulement après l'apparition de son ex Dimitri Rassam à la montée des marches de Mégalopolis avec sa mère Carole Bouquet. Leur séparation, après 6 ans d'amour et 4 ans de mariage, ils ont pour rappel un fils ensemble, Balthazar, avait été annoncé en début d'année. Charlotte Casiraghi sobre et élégante sans Dimitri, une rupture que beaucoup n'ont peut-être pas comprise, tant ils semblaient épanouis ensemble. Elle est très importante mais encore une fois je ne pense pas être très originale en l'espèce. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux. Avait notamment déjà confié le réalisateur sur le plateau de Quelle Époque. Aujourd'hui, ils avancent donc chacun de leur côté, même si on peut imaginer qu'ils restent plus ou moins proches pour le bien de leur enfant. En tout cas, si est-ce donc sans Dimitri Rassam que Charlotte Casiraghi vient d'arriver à Cannes ce mardi soir. La membre de la famille princière de Monaco était discrète et ravissante, dans une robe blanche à bretelles. Pour rappel, le producteur et sa mère Carole Bouquet étaient très soudés et élégants l'autre jour, lors de leur montée des marches ensemble. Si l'ex-beau-fils de Caroline de Monaco avait sorti le costume nœud papillon, sa célèbre maman avait quant à elle opté pour une sublime robe noire à double rangée de boutons blancs.